abandonnée par les pouvoirs publics, hein, pour des raisons qu'on essaiera de comprendre tous ensemble. Voilà. Donc je vous laisse avec Nabil Wakim qui fera une brève présentation, et enfin brève ou pas si brève que ça, c'est à son choix, et après on pourra échanger avec la salle et essayer d'approfondir la question. Bonjour. C'est beaucoup plus fort que ce que je pensais. Ben, merci beaucoup d'être là par ce jour très froid. Comme ça a été très bien dit, donc je m'appelle Nabil Wakim, je suis journaliste. Je suis né en 1981 à Beyrouth. Quand je suis né, ben, ma langue maternelle, c'était l'arabe. Et puis mes parents sont venus en France, à Lyon d'ailleurs, quand j'avais 4 ans. Et puis quelque part, entre mes 4 ans et mes 40 ans, ben, j'ai perdu l'arabe en cours de route. C'est comme si ma langue maternelle était restée derrière moi et qu'aujourd'hui j'étais plus capable de parler cette langue. Et quand moi-même j'ai eu des enfants il y a quelques années, je me suis dit, ben, j'aimerais bien qu'ils parlent l'arabe. Et là je me suis rendu compte que j'étais pas capable de transmettre cette langue. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait d'abord pourquoi je suis aussi nul, mais surtout à qui la faute? Est-ce que c'est ma faute à moi qui suis fainéant? Est-ce que c'est la faute de mes parents, parce que c'est toujours pratique de dire que c'est la faute de ses parents? Est-ce que c'est la faute de l'éducation nationale qui ne m'a pas donné la possibilité d'apprendre l'arabe? Est-ce que c'est la faute de la République, de la France, du monolinguisme en France? Est-ce que c'est un peu tout ça? Est-ce que c'est en fait la faute de personne et que c'est la vie normale que les langues d'immigration se perdent? Et donc, ce livre est parti de ça. Je raconte d'abord mon histoire personnelle. Donc, cette histoire-là où moi, quand j'étais adolescent, j'avais envie de tout sauf de parler l'arabe. Mes parents insistaient un peu, ils ont essayé de nous trouver des cours d'arabe, mais bon, c'était pas vraiment leur priorité. Mais surtout moi, j'avais honte de la langue arabe. J'avais honte d'entendre l'arabe à la sortie de l'école. Si ma mère me parlait, j'avais pas envie qu'elle me parle arabe dans le bus. Mes vacances au Liban, j'avais pas envie qu'on... Alors au Liban, il y a beaucoup de francophones, mais dans ma famille, beaucoup de gens parlent surtout l'arabe, notamment mes grands-mères. Et en fait, chaque fois que je revenais au Liban, ma grand-mère, surtout paternelle, me disait, mais c'est en arabe, elle me disait, c'est une honte que tu ne parles pas l'arabe, c'est ta langue, etc. Donc elle engueulait mon père, qui ensuite m'engueulait. Puis ensuite, je revenais en France en me disant, mais tout ça, ce n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, quand j'ai grandi, je suis devenu journaliste. Et puis là, j'ai vu des collègues journalistes à moi, français, nés en France, qui s'appellent Hélène ou Louis, et qui avaient appris l'arabe à Sciences Po, et qui parlaient très bien l'arabe, et qui, eux, pouvaient partir faire des reportages dans le monde arabe et parler directement. Et là, je me suis dit, mais j'ai quand même raté un truc, je suis quand même complètement nul, c'est quand même pas possible. Et ce livre, voilà, part de cette interrogation-là, et du coup, je suis allé voir d'autres gens, certains célèbres, d'autres anonymes, qui sont aussi comme moi des enfants issus de l'immigration et qui sont aussi devenus des parents issus de l'immigration, c'est-à-dire qui ont aussi aujourd'hui des enfants avec qui ils se posent des questions de transmission, pour leur demander si les questions se posaient de la même manière pour eux, pour elles. Et j'ai vu que c'était le cas pour beaucoup de gens de ma génération, donc j'ai 40 ans, et j'ai vu beaucoup de gens qui ont entre 25 et 45 ans et qui sont pour beaucoup nés en France, qui ont l'arabe en héritage dans leur culture, dans leur famille, et qui partagent certains traits communs. Et alors, autant tordre le cou tout de suite à une idée reçue, c'est la même chose pour le Maghreb et le Mashrek, c'est la même chose pour les Maghrébins et pour les Proches-Orientaux, les difficultés de transmission sont les mêmes. Et avec un peu cette idée que très souvent, dans beaucoup de familles, on entend parler l'arabe à la maison, que c'est une langue... Et moi, par exemple, je sais bien, je comprends bien en arabe, range ta chambre, mange ton hummus, tout ça, il n'y a pas de problème, je comprends bien. Mais si je dois parler de politique, du réchauffement climatique, d'amitié, d'amour, de jeux vidéo, que sais-je encore, et ben là, je ne sais pas faire, je n'ai pas le vocabulaire. Pourquoi? Parce que l'arabe, dans beaucoup de familles, c'est une langue qui reste à la maison. C'est la langue des émotions, souvent, donc je sais me faire engueuler en arabe, ça je comprends, les mots d'amour peut-être un peu, mais ce n'est pas une langue qu'on utilise pour l'école, pour le travail, etc. Et ça, c'est un trait assez commun. Que j'ai recueilli dans beaucoup, beaucoup de témoignages de gens très divers qui aujourd'hui, pour certains, sont devenus artistes, hommes ou femmes politiques, journalistes, écrivains, metteurs en scène, etc. Et qui partagent vraiment cette idée-là que, en fait, ils ont l'arabe dans l'oreille, mais c'est une langue qu'ils n'ont pas pratiquée. Pourquoi ils ne l'ont pas pratiquée? Parce qu'en fait, bon, les lieux d'apprentissage de l'arabe en France sont en fait assez peu nombreux. Et c'est même assez fou, on disait c'est une des 10 langues les plus parlées au monde, c'est la deuxième langue la plus parlée de France. On pense qu'il y a peut-être 4 millions
personnes en France qui ont la langue arabe en partage. Alors, ils ne parlent pas tous couramment, ils ne peuvent pas tous lire le journal, voilà, mais voilà, qui ont un rapport très fort avec, avec cette langue, pour des raisons évidentes qu'on comprend très facilement, que surtout quand on vient d'un autre pays. Mais beaucoup de ces gens-là sont français. Ils ont la nationalité française et ils ont l'arabe dans leur vie. Et donc, on a cette langue qui est la deuxième langue de France. Et pour autant, quand on regarde les chiffres, dans l'éducation nationale, par exemple, pour le collège et le lycée, est-ce que vous savez combien il y a d'élèves au collège et au lycée en France qui apprennent l'arabe ? 15 000. C'est 0,3% des élèves. Voilà. Donc, en fait, c'est un truc assez paradoxal. C'est que c'est présent dans très peu d'établissements. Il y a des régions entières de France où il n'y a pas d'enseignement de l'arabe qui est proposé. Et puis, il y a souvent un problème de ce qu'on appelle la continuité scolaire, c'est-à-dire, par exemple, il va y avoir un cours d'arabe au collège, mais au lycée d'à côté, il n'y en a pas. Donc, les parents qui sont issus de l'immigration, ils ne sont pas plus bêtes que les autres parents. Ils se disent, ben, si je vais mettre mon enfant faire arabe là, après, il ne pourra pas le faire au lycée. Ce n'est pas forcément un bon parcours scolaire. Et donc, ça, c'est vrai qu'il n'y a pas une réponse très forte de la part de l'éducation nationale. Et il existe aussi, bien sûr, en France, un enseignement dans des structures religieuses ou culturelles de l'arabe. Ce que moi j'ai vu en écrivant ce livre, c'est que cet enseignement-là, il est très inégal. C'est-à-dire, il y a des endroits dans les grandes villes, notamment comme ici à Lyon ou à Nantes ou à Paris, où notamment dans les grandes mosquées, ben, il y a des très bons cours d'arabe avec des profs, avec des outils pédagogiques, des manuels, etc. Mais dans beaucoup d'endroits où je suis allé, en fait, c'est pas terrible. C'est-à-dire, le prof d'arabe, c'est le cousin de l'imam ou le boucher du coin parce qu'il parle bien l'arabe et qu'il a le temps de le faire et qu'il prend son samedi matin pour le faire. Mais il n'est pas forcément compétent pour le faire, il n'y a pas de matériel pédagogique, ça dure super longtemps. Parfois, ce n'est pas vraiment des cours d'arabe, c'est plutôt des cours d'apprentissage du Coran, ce qui en fait n'est pas exactement la même chose, parce que, comme me l'a dit un prof dans une mosquée, c'est pas, on peut apprendre le Coran et c'est très bien, mais ça ne permet pas d'aller acheter le pain ou d'aller à la poste ou de trouver du travail. Évidemment, ça n'a pas la même finalité. Et donc, voilà, il y a ce déficit en fait, de lieux d'apprentissage de l'arabe qui, je crois, doit nous interroger. Il y a bien sûr la responsabilité des pouvoirs publics, mais il y a aussi... Et ça, je l'ai découvert en écrivant ce livre. Une vraie, y a un rapport bizarre de beaucoup d'entre nous, et quand je dis nous, c'est aussi ces enfants d'immigrés venus du monde arabe, à la langue arabe. Pour beaucoup de familles, ça n'apparaît pas forcément comme un objectif prioritaire que leurs enfants apprennent l'arabe. Quand on regarde les chiffres sur les communautés immigrées, la langue arabe est une des moins bien transmises. Les immigrés qui viennent, par exemple, de Turquie ou d'Asie du Sud-Est ou d'ex-Yougoslavie se dotent souvent de structures qui parviennent à le faire. Et il y a un rapport de la langue arabe, alors pour des raisons qui sont propres à la langue arabe, les diversités de dialectes et de types de langues qui existent dans le monde arabe nous compliquent parfois un peu la vie, mais aussi, et ça je l'ai vu très clairement, il y a aussi un certain nombre de parents qui se disent, ben en fait, c'est pas forcément une garantie de réussite scolaire ou professionnelle pour mes enfants d'apprendre l'arabe. Je donne souvent cet exemple, mais les anciennes ministres Najat Vallaud-Belkacem ou Myriam El Khomri, eh ben, toutes les deux, elles ont fait allemand première langue, anglais deuxième langue, alors qu'elles auraient pu, elles étaient dans des endroits où elles auraient pu apprendre l'arabe, et leurs parents n'ont pas souhaité que ce soit le cas. Moi-même, quand on est arrivé en France avec mon frère, mes parents, ils nous ont mis devant des dessins animés pour bien parler le français, et leur priorité, c'était surtout qu'on soit bon en français et en maths, mais l'arabe, si on y arrivait, c'était bien, c'était embêtant de se faire engueuler par la grand-mère l'été, mais... c'était pas la priorité. Et donc, il y a ce doute qui existe aussi dans un certain nombre de familles. Et ça, je l'ai vu, je raconte ça dans le bouquin. Même dans des villes, par exemple, ces trois dernières années, il y a eu tout un mouvement en région parisienne, à La Courneuve, par exemple, pour faire ouvrir des classes d'arabe. Des parents d'élèves qui se sont battus auprès de l'inspection académique, du rectorat, etc., pour faire ouvrir des classes. Ils ont réussi. Et le moment où les classes ouvrent, ils arrivent à trouver des profs. Et puis là, il y a très peu d'inscrits. Et donc, ils ont organisé avec la ville, avec des associations locales, des réunions publiques pour s'adresser aux familles. Et là, ils étaient surpris de voir qu'un certain nombre de familles, y compris de mères, disaient « Ben oui, mais bon, moi, je ne veux pas que mon gamin il commence à faire ça. Est-ce qu'il va se retrouver dans une classe nulle parce qu'il fait de l'arabe ? Est-ce que la classe d'arabe, elle ne va pas être supprimée dans 2 ans ? Est-ce qu'on peut vous faire confiance, en gros ? Ou bien, moi, j'ai déjà commencé à mettre les miens à la mosquée. Si je les enlève de la mosquée pour les mettre là et que vous supprimez la classe, ben voilà. » Donc, il y a aussi un doute qui existe dans un certain nombre de familles issues du monde arabe sur l'intérêt même d'apprendre l'arabe. Et ça, je l'ai vu même après la sortie du livre, en faisant beaucoup d'interventions dans des établissements scolaires. Ça existe aussi chez les élèves eux-mêmes. Se dire, mais en fait, à quoi ça va me servir ? Je ne sais pas, est-ce que l'anglais, l'espagnol, autre chose, le chinois peut-être, ça me permettra d'avoir du boulot. L'arabe, à quoi ça sert ? Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. C'est aussi, en fait, une méconnaissance
assez grande pour beaucoup d'Arabes de France, des cultures et des langues arabes. Aussi parce que des structures comme celle-ci, dans laquelle on est aujourd'hui, ou l'Institut du monde arabe à Paris, ou d'autres structures de ce type-là, en fait, elles sont assez peu nombreuses, les endroits dans lesquels on peut mettre en valeur les différentes cultures qui existent dans le monde arabe, leur diversité, leur richesse, et qui ne sont pas forcément connues. J'ai vu des classes, par exemple, aller à l'Institut du monde arabe à Paris, avec beaucoup d'élèves qui sont, comme on dit, issus de l'immigration, mais qui en réalité ont un lien assez lointain au pays d'origine, parce que parfois c'est leurs grands-parents qui a émigré. Et en fait, ils se disent « Ah bon, mais en fait, c'est tout ça le monde arabe, ils ne connaissent pas bien. » Et donc, il y a aussi, d'une certaine manière, une valorisation des cultures arabes à faire connaître pour qu'un certain nombre d'élèves se disent aussi d'eux-mêmes « j'ai envie d'apprendre l'arabe. » Mais il n'y a évidemment pas que ça, puisque on peut rentrer même plus dans le vif du sujet, puisqu'en fait, ce qui apparaît très clairement, c'est que dès qu'on parle de la langue arabe, il y a une immense crispation politique. C'est vraiment les caricatures, les stéréotypes, l'ignorance qui entoure la langue arabe est dingue. D'abord avec l'idée xénophobe qu'on connaît toutes et tous et qu'on entend toujours, cette idée que arabe égale islam, islam égale fondamentalisme, fondamentalisme égale terrorisme. Lorsque ces dernières années des débats ont ressurgi sur le fait de rendre plus accessible l'enseignement de l'arabe dans l'éducation nationale, on a entendu sur des plateaux télé même un ancien ministre de l'éducation nationale dire « Oh là là, mais attendez, s'il y a des gens qui se mettent à apprendre l'arabe, ils risquent de devenir fanatiques. » Comme si la langue elle-même était suspecte, comme si elle portait en elle-même un genre de duplicité, comme si le « ra », le « a », le « jin », c'était en fait c'était des sons qui transformaient les gens, les faisaient devenir des terroristes. Et donc, ça, c'est très ancré, et à ma grande surprise et pour mon plus grand malaise, c'est pas simplement ancré chez des extrémistes, ça existe aussi au sein de l'éducation nationale, ça existe au sein des ministères d'un certain nombre de responsables politiques. Najat Vallaud-Belkacem, quand je l'ai interrogée pour le livre, elle explique bien que c'est le sujet pour lequel elle a reçu le plus de menaces, de lettres d'insultes, de mails hargneux, de fausses informations qui circulaient là-dessus, et le sujet sur lequel elle a reçu le moins de soutien politique quand elle a essayé de réformer un tout petit peu l'enseignement de l'arabe. Là, c'était au primaire. Et donc, il y a vraiment une tension qui est très forte, et il y a beaucoup d'exemples, j'ai essayé de les répertorier dans le livre, d'endroits dans lesquels des enseignants, même pas forcément des enseignants de langue, parfois des enseignants de musique, qui faisaient chanter des chansons à leurs élèves et qui mettaient dedans des strophes en arabe, par exemple, se voyaient attaqués par ou menacés par des parents d'élèves, parfois même par les mairies de certains villages ou de certaines villes, qui disaient « mais c'est pas du tout possible », et l'absence de soutien que reçoivent ces enseignants à chaque fois. Donc, il y a un truc qui est assez sidérant dans les réactions épidermiques. Quasiment, on a l'impression que dès qu'on touche à ce sujet de la langue arabe, il y a des gens qui montent sur les grands chevaux tout de suite et qui accusent tout de suite de fanatisme. Il me semble que, en réalité, la langue arabe, c'est peut-être le plus grand médicament contre le fanatisme, la langue arabe, les langues arabes telles qu'elles existent, c'est toute la richesse du monde arabe. Et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, et promis, après j'arrête de ce monologue interminable, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre. C'est aussi pour faire la promotion de la richesse qui existe dans les langues et les cultures arabes, qui sont en fait aujourd'hui, la langue arabe, c'est une langue de France. C'est une langue que nous avons en partage en France. C'est notre héritage commun. Qu'il s'agisse de l'héritage colonial, des histoires d'immigration, de nos histoires de famille, des couples mixtes qui existent aujourd'hui. En fait, et j'ai reçu après la sortie du livre, des centaines de mails de gens, et notamment de beaucoup de couples mixtes, qui disaient, ben voilà, nous aussi on veut transmettre l'arabe à nos enfants, et on ne sait pas comment le faire. Et donc je crois qu'on aurait plutôt tout intérêt, pour des raisons de cohésion sociale, de partage d'identité, tout comme on a réussi à le faire peut-être sur des sujets gastronomiques. Bon, le couscous, c'est le plat préféré des Français, ça c'est bien. Bon, peut-être que sur des questions linguistiques, il y a aussi une bataille à mener pour redorer le blason de la langue arabe et faire comprendre qu'elle est au même titre que d'autres langues, au même titre que d'autres langues d'immigration, que le portugais, l'italien, le polonais l'ont été, que des langues d'outre-mer comme le créole des Antilles ou de la Réunion sont des langues de France. L'arabe aussi, voilà, c'est une langue de France et il faut la considérer comme telle. Voilà. Pardon, excusez-moi. Oui, merci Nabil Wakim pour cet itinéraire et ce plaidoyer sur la langue arabe.
On constate tous les difficultés qu'on a pour faire apprendre l'arabe à nos enfants, ou pour apprendre l'arabe même si on le souhaite. Hein. Il y a quelques cursus très spécifiques dans quelques lycées, ou bien sûr à l'INALCO, mais c'est extrêmement difficile d'apprendre l'arabe. Donc nous, on propose un apprentissage de l'arabe ici, bien sûr pour les enfants entre 6-7 ans et 12-13 ans, et également pour les adultes, essentiellement au niveau débutant, parce que y a des problèmes qui sont un peu de différents ordres. Déjà, en France, l'enseignement des langues est assez sinistré, en général. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'heures qui sont délivrées dans le secondaire pour enseigner les langues. Alors, les langues européennes, hein, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, parfois des langues rares, le russe. Et on constate que les enfants, à la sortie au bac, hein, parlent assez mal les langues en général. Peut-être plus mal que d'autres petits Européens ou jeunes Européens qui sont dans des systèmes scolaires où on est plus mis en action. Il y avait une statistique qui avait été publiée par l'Éducation nationale il y a quelques années sur le nombre d'heures qu'un élève parlait anglais au cours de l'année scolaire. Et en fait, chaque élève parlait environ une heure l'anglais ou deux heures l'anglais par an. Par an. Parce que, vous avez vu le nombre d'heures, le nombre d'élèves dans la classe, les interventions du prof, ça lui donnait seulement une ou deux heures pour parler anglais. Comment peut-on progresser en anglais quand on parle seulement une ou deux heures l'anglais dans une classe? Alors évidemment, il y a d'autres sources d'apprentissage de l'anglais, et je pense que les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux, le cinéma, les vidéos, et finalement, ils se débrouillent peut-être un peu moins mal que les générations précédentes, mais l'éducation nationale est un peu défaillante sur l'apprentissage des langues. C'est extrêmement monodirectionnel, hein, c'est-à-dire du prof aux élèves, très peu de conversations, etc. Donc il y a peut-être ce problème-là. Et puis il y a aussi la difficulté, je voudrais avoir votre avis là-dessus, sur la complexité intrinsèque de la langue arabe à laquelle vous avez fait allusion. D'abord, il y a la darija, hein, il y a les darijat, les différents dialectes. Le Maghreb a plutôt des dialectes qui sont assez éloignés de l'fusha, de la langue classique. Hein. Et il y a l'extraordinaire polysémie de la langue arabe, l'extraordinaire vocabulaire de la langue arabe, qui se déploie au moins sur trois niveaux, parce que même dans le Fusra, il y a trois niveaux de langue. Il y a l'arabe coranique, auquel on a fait allusion. Il y a l'arabe classique, qui va, mettons, du hadith jusqu'aux grands textes littéraires, les mille et une nuits et les grands textes philosophiques, etc. Et puis, il y a l'arabe standard moderne, hein, modern standard arabic, qui incorpore tous les mots du monde moderne. Et tout ça devant être quand même maîtrisé à un certain niveau pour pouvoir parler, ben, comme vous l'avez dit, de philosophie, de politique, de culture. Donc il y a quand même une difficulté intrinsèque. Donc on est déjà dans un système où l'éducation nationale n'est pas particulièrement performante pour les langues, et en plus sur des difficultés spécifiques liées au grand nombre de dialectes, au fait que nos enfants, enfin les enfants issus de l'immigration, doivent parfois un peu désapprendre l'arabe, désapprendre la darija pour apprendre al-fusha, hein, et cette extraordinaire richesse de l'arabe qui fait qu'on avance quand même plus lentement, puisque il faut plusieurs heures d'apprentissage de l'arabe pour arriver à un niveau donné ou à un objectif donné par rapport à une heure, par exemple, pour apprendre l'italien ou l'arabe. Hein. Donc comment, par exemple, Najat Vallaud-Belkacem répondrait à ces questions? Elle qui a été ministre de l'Éducation nationale, elle est probablement consciente des difficultés de l'apprentissage d'une langue aussi belle, mais aussi difficile que l'arabe. Non, le constat est très très juste. C'est vrai que l'enseignement des langues en général est assez mal en point. En fait, on met tout sur l'anglais et par ailleurs, on n'est pas très bon pour le faire. Et toutes les autres langues sont en fait en chute libre, y compris en fait l'allemand, par exemple, continue d'exister parce qu'il est soutenu par des accords bilatéraux franco-allemands. C'est-à-dire que c'est un sujet diplomatique, l'enseignement de l'allemand, mais pas tellement un sujet linguistique. Et puis, il y a des langues qui ont quasiment disparu de l'éducation nationale. Il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est l'hébreu.
L'hébreu, il y a 20 ans, c'était enseigné dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, la quasi-totalité de dire, bah, est-ce que c'est ça le devenir de l'arabe? Est-ce que c'est de sortir complètement en ayant l'arabe dans l'éducation nationale, qui puisse s'adresser, y compris à des enfants qui ne viennent pas du monde arabe et qui peuvent s'ouvrir à ces cultures-là, et qu'on puisse s'appeler Paul ou Maxime et qu'on ait envie de découvrir le monde arabe, et c'est pas parce que, et sans être musulman, enfin voilà. Et donc ça c'est une vraie interrogation sur comment on fait. Et effectivement, s'ajoute une difficulté qui est la grande richesse de l'arabe est aussi une difficulté parce que, et ça je l'ai vu en allant voir un certain nombre de cours d'arabe en collège ou en lycée, l'arabe qui est entendu à la maison est différent de l'arabe de la classe. Et donc des élèves qui pensent arriver avec peut-être des avantages, en fait des fois se retrouvent en difficulté parce qu'il y a un décalage qui est trop grand entre ce que le prof dit. D'ailleurs les profs d'arabe disent souvent ça, ils disent bah, en fait une des difficultés pour nous c'est qu'on a des élèves qui ont effectivement bah, des origines qui ne sont pas les mêmes, donc des manières de parler l'arabe qui sont différentes, mais aussi des niveaux qui sont très différents. Certains ont eu des cours à la mosquée quand ils étaient petits, d'autres pas du tout. Certains sont beaucoup allés dans le pays d'origine, d'autres pas du tout. Donc voilà, il y a des niveaux qui ne sont vraiment pas du tout les mêmes. Et donc ça, ce n'est pas facile. Il y a même eu un débat au sein de l'éducation nationale il y a 20 ans sur quel arabe il fallait enseigner. Est-ce qu'il fallait enseigner l'arabe standard moderne, le fesha? Ou est-ce qu'il fallait enseigner ce qu'ils appelaient à l'époque le franco-maghrébin, c'est-à-dire une sorte de soupe qui mélangeait un peu le darija marocain, l'algérien, etc., avec l'argument porté par certains linguistes de dire bah, en fait, c'est plus proche de ce que connaissent la majorité des jeunes français qui viennent du monde arabe, donc enseignons ça. Et c'est l'autre choix qui a été fait, c'est plutôt de dire non, il faut enseigner l'arabe littéraire parce que c'est un sésame qui donne accès à l'ensemble du monde arabe. Mais petit à petit, il y a un effort qui a été fait, et ça je l'ai vu, notamment dans les manuels scolaires, pour essayer d'intégrer les différents dialectes qui existent. Donc il y a des exercices qui font référence à des dialectes, il y a un apprentissage qui n'est pas simplement linguistique, mais qui est aussi une compréhension culturelle de la langue et des différences de la langue, parfois même sous forme de jeu, en regardant comment un même mot va être utilisé dans différents pays, comment les chiffres, par exemple, comment on compte de manière différente au Maroc, en Arabie Saoudite, en Palestine, en Irak, etc. Et donc, ça commence à être intégré par l'éducation nationale, mais c'est vrai que c'est une difficulté pour les enseignants. Après, la réalité, et ça, côté ministère de l'éducation nationale, aussi bien Jack Lang que Najat Vallaud-Belkacem l'explique bien, il y a d'abord un problème de forte volonté politique et de moyens. Pendant des années, on n'a pas ouvert ou très peu de places de concours pour devenir enseignant, donc au CAPES et à l'agrégation. On a ouvert très peu de classes et donc ben, l'enseignement de l'arabe, l'appareil de l'enseignement de l'arabe s'est dégradé. On constate qu'en fait, depuis quelques années, et sans trop le dire, le ministère de l'Éducation nationale a commencé à rouvrir un certain nombre de postes. J'ai vu hier, dans une discussion comme celle-ci, l'inspectrice générale d'arabe, et qui disait qu'effectivement, là, il y avait un... alors, c'est pas spectaculaire, mais c'est 15 postes au CAPES, 10 postes à l'agrégation. Donc, en fait, il suffirait qu'on fasse ça pendant 10 ans. Bah, en fait, on restockerait bien notre nombre de profs d'arabe et on aurait des profs d'arabe formés. La difficulté, c'est qu'en fait... il n'y a pas assez de candidats qualifiés pour ces postes-là. Pourquoi ? Parce que pour avoir des bons candidats pour être prof d'arabe, eh ben, il faut une filière, c'est-à-dire qu'il faut qu'à l'université, on se dote de moyens pour avoir des gens qui vont faire des licences d'arabe avec l'idée de devenir enseignant. Bon, par ailleurs, il y a le problème de la désaffection vis-à-vis du monde enseignant en général, et donc même dans d'autres disciplines, c'est difficile de recruter, mais c'est particulièrement le cas pour l'arabe. Et on voit bien, je trouve, quand on réfléchit à ça, qu'au fond, c'est un sujet de volonté politique, c'est-à-dire que c'est pas juste une question d'offre et demande et de dire ah bon finalement il n'y a pas tant de gens pour être prof ou pas tant de gens pour étudier. Non, il faut d'une certaine manière avoir le courage de dire bah oui en fait il faut reconstruire ces filières là d'enseignement, il faut ouvrir des classes, même si dans un premier temps il n'y a pas un nombre de demandes qui est très élevé, mais en fait il faut avoir le courage de les conserver budgétairement à l'échelle de l'éducation nationale, ça coûte pas très cher. Il faut aller dans des territoires dans lesquels il n'y a pas que des familles arabophones, parce que ça, c'est un autre enjeu, et ça qui est bien expliqué par Najat Vallaud-Belkacem. Elle dit ben, on a un problème avec l'enseignement de l'arabe, c'est qu'on a les deux extrêmes. Vous parliez de cette grande tradition d'arabisant. Voilà, donc on a de l'arabe dans les grandes écoles, dans certains lycées les plus huppés de France, on a de l'arabe. Dans les lycées internationaux, on a de l'arabe. Et puis ensuite, on a de l'arabe à l'autre extrême, c'est-à-dire des lycées qui sont en zone d'éducation prioritaire,
qui sont dans des endroits dans lesquels ben, parfois il n'y a que des Arabes dans la classe, et donc qui donnent aussi l'impression aux parents que en fait ils vont se retrouver avec tous les guillemets de rigueur dans une classe d'Arabes, et que ça sera péjoratif et que ça sera une mauvaise chose pour leur enfant. Et donc la question, c'est d'avoir la volonté aussi politique d'ouvrir des classes d'arabes, y compris dans des endroits dans lesquels y a des publics qui sont plus mixtes, qui sont assez différents, et de faire arriver des enseignants, de s'engager à ce que ces classes elles restent ouvertes pendant longtemps. Voilà, donc c'est un processus qui est long, qui est assez difficile à mettre en œuvre et qui demande un peu de l'assumer, même si ça ne plaît pas à tout le monde et ça provoque des crispations ou des critiques. Merci. Peut-être il y a une question dans la salle maintenant, avant de rebondir sur ce qu'a dit Nabil Wakim. Madame, attendez, on a peut-être besoin des micros pour vous entendre, hein, surtout au fond de la salle. Oui, oui. Oui, bonjour. Alors en fait, vous avez dit que la derija, enfin le dialecte, on doit abandonner le dialecte pour pouvoir avancer dans l'arabe, en fait. Il me semble que vous avez dit quelque chose comme ça. Où ça le dévalorise. On doit dévaloriser le dialecte. Pardon, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que dans un certain nombre de familles, il y a une vision négative des dialectes, comme si ce n'était pas vraiment de l'arabe. Et comme si c'était un frein, parfois même à l'apprentissage, du vrai arabe. Comme s'il y avait une compétition entre l'arabe littéraire et les dialectes. Ce qui, en fait, n'est pas vrai. D'ailleurs, ça, tous les linguistes l'expliquent. Tous les dialectes ont leur histoire. Ce sont des langues. Ce sont des langues qui sont riches, qui sont alimentées, y compris par les langues berbères, des langues africaines, parfois par le français. Mm-hmm. Voilà. Et donc, ils ont de la valeur. Je ne veux pas avoir l'air de dire que le darija, c'est un obstacle. C'est pas du tout ce que d'accord, parce que du coup, oui, alors moi, ce que je m'étais rendu compte, c'est que le fait d'entendre le dialecte depuis notre plus tendre enfance, ça nous permettait de plus facilement prononcer les langues arabes, la langue arabe. Donc là-dessus, ça nous donne une certaine facilité, du coup. Ça, c'est très vrai. Et en fait, le fait d'entendre pendant l'enfance, notamment pour la prononciation, c'est vraiment très important. Moi, qui parle toujours très mal l'arabe, je parle très bien l'espagnol. Et en fait, je me suis rendu compte en apprenant l'espagnol que le ra, le ra, c'est la même chose. J'habitais en Andalousie, où tout le monde a des têtes d'arabe et parle un espagnol qui ressemble très fortement à du darija. Et en fait, c'est évidemment aussi pendant l'enfance qu'on acquiert tout ça. Et ceci dit, ce qui explique bien les linguistes, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir sortir de ça, il faut travailler. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a, on l'a dans l'oreille que ça suffit. Non, ça suffit pas. Et c'est là où il y a une difficulté, y compris moi-même j'ai vécu, c'est-à-dire que l'arabe que j'ai dans l'oreille, mon arabe de famille, en fait, il n'est pas suffisant tout seul. Et c'est là où deviennent importants des lieux comme l'école, des associations, des endroits dans lesquels on peut apprendre l'arabe de manière structurée, pédagogique, comme une langue vivante qu'on va pouvoir utiliser dans la vie. Merci. Tout le problème, effectivement, est que dans 90% des situations de la vie courante, quelle que soit la langue, on emploie, je crois, 2000 mots pour décrire 90% de la situation de la vie courante. Hein, 95%. Quand on termine des études supérieures, à Bac plus 5, on a 20 000 mots à sa disposition. Donc on passe de 2 000 à 20 000 ou 30 000. Parce que les autres mots sont des mots de la technologie, des mots de la littérature, des mots qui permettent d'exprimer de façon subtile des concepts difficiles. Et voilà, donc c'est une problématique qui existe pour toutes les langues. Alors l'acquisition de ces mots qui manquent, quand on travaille par exemple à l'international en anglais, on apprend ces mots puisqu'on est obligé d'interagir professionnellement. Mais pour la langue arabe, c'est pareil, effectivement. Notre ancien imam, là, Sheikh Mander, quand je lui disais que j'apprenais l'arabe depuis 30 ans, il me dit, quel est le conseil que vous pourriez me donner? Il me dit, il faut beaucoup lire. Voilà, il faut beaucoup lire, effectivement. C'est ça, pour arriver à acquérir ce vocabulaire, ces subtilités, et c'est vrai pour toutes les langues. Hein. Une autre question? Madame? Oui, bonjour. Donc, pour revenir effectivement sur l'histoire des dialectes et des darija, et pour revenir sur ce que M. Wakid disait, effectivement, on a l'impression qu'il y a certains dialectes qui sont, on va dire, un peu moins cotés que d'autres, parce qu'ils sont peut-être un peu plus éloignés de la fusha, notamment le dialecte algérien ou le dialecte marocain, qui sont un peu plus... qui sont plus éloignés et qui sont parfois, surtout l'algérien, beaucoup d'emprunt en français. Donc, moi, pour l'avoir vécu,
Quand je suis partie la première fois en Égypte et que j'ai essayé de parler un petit peu algérien, on m'a juste dit que je parlais pas arabe. On me l'a dit très clairement, mais tu parles pas arabe en fait. Voilà, donc c'était vraiment ça, c'était « m'abkalem chez arabi ». On m'a pas donné le choix, j'avais compris que j'étais pas dans le bon côté du monde. Mais donc c'est vrai qu'effectivement, la darija, c'est une richesse, incontestablement, mais il y a certaines langues qui permettent de naviguer plus facilement, enfin certains dialectes qui arrivent, avec lesquels on arrive à naviguer plus facilement d'un dialecte à l'autre. Et effectivement, les dialectes du Mashrek sont... on arrive à être mieux compris dans le reste du monde arabe. En ayant un dialecte algérien ou marocain, on a quand même beaucoup plus de difficultés à se faire comprendre dans le reste du monde arabe. Une réaction à cela Oui, bien sûr, c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de représentations là-dessus. Parfois, il y a aussi un peu des caricatures et une forme de dévalorisation que y compris parfois, on s'applique à soi-même en disant « Ah, mon dialecte, il ne compte pas », etc. Ou même qui marche parfois dans l'autre sens. Je me dis, moi, quand j'essayais d'apprendre l'arabe et que mon père regardait mes cahiers, il me disait « Ah, bah, tu veux parler comme un érudit parce que tu apprends l'arabe littéraire ». Il y a aussi beaucoup, je pense, de représentations et de stéréotypes. Moi, je pense qu'on gagnerait, en fait, à faire comprendre qu'en fait, la langue arabe, c'est une langue qui est diverse, dans laquelle il y a... Et puis, si on réfléchit, en fait, c'est le cas de beaucoup d'autres langues. L'anglais ou l'espagnol existent sous des formes qui sont très différentes. On parle anglais au Nigeria, on parle anglais au Pakistan, on parle anglais en Australie, au Texas, de manières qui sont différentes de la manière dont on parle à Londres. Alors qu'on parle arabe d'une manière différente à Casablanca ou à Bagdad, après tout, c'est aussi l'histoire commune du monde arabe. Et d'ailleurs, on parle arabe maintenant à Paris, à Lyon, à Gaza et à Bagdad. Et donc, en fait, il y a aussi une question qui peut-être se posera à terme, qui est qu'est-ce que c'est notre dialecte d'arabe de France, c'est-à-dire mélangé à cette culture commune des différentes vagues d'immigration, des langues berbères, des différents parcours des Arabes de France. Parce qu'en fait, la langue arabe, comme toutes les langues, c'est une langue multiple, qui a beaucoup d'identité. Et d'ailleurs, on voit bien au sein d'un même pays, enfin moi je suis libanais, au nord et au sud du Liban, à la mer et à la montagne, on parle pas même arabe, on prononce pas les mêmes lettres. Moi je me fais beaucoup plus comprendre dans le sud du Maroc que dans le nord du Maroc. Allez, je n'en connais pas la raison historique, mais je vois bien qu'on parle pas de la même manière. Et donc, je crois que là-dessus, évidemment c'est une posture personnelle et qui est un peu de principe, mais je pense qu'en tout cas, on aurait toujours intérêt à valoriser cette diversité des langues et des expressions au sein des cultures arabes, de ne pas en faire un obstacle, et de dire, ben voilà, en fait, c'est un fil commun qui nous relie. Bien sûr, des fois, ça crée des difficultés, mais après tout, sur l'essentiel, on peut quand même se comprendre. Voilà, encore une intervention de madame. Oui, je rejoins ce que vous avez dit, parce que j'allais vous poser la question. Et pourquoi on ne ferait pas justement deux filières de langue arabe, puisque le Maghreb, ils ont quand même une histoire commune. Les langues, elles se comprennent. On comprend, personnellement, je comprends les trois langues, tunisien, algérien, marocain. Et du coup, ça représente aussi beaucoup de citoyens en France. Alors, pourquoi pas faire une langue commune comme on pourrait faire, je ne sais pas moi, le breton, l'enseignement du breton ou autre, et la langue classique, mais surtout garder la langue classique, hein, ça aussi je suis pour. Je ne sais pas si ça on peut le, en fait, ça on peut y penser. Ça a existé, il y avait jusque dans les années 2000, on pouvait au bac, les élèves pouvaient choisir la forme d'arabe qu'ils souhaitaient passer. D'accord. Mais ça posait en fait, là aussi on retombe un peu sur les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'enseignants. Pour pouvoir en fait aux différentes formes d'arabe, bon évidemment ça dépend des différentes langues, mais je crois même qu'on pouvait choisir arabe marocain, arabe algérien. Et donc, à un moment donné, l'éducation nationale a fait le choix de désinvestir ça, parce qu'en disant voilà, on ne peut pas tout faire, s'éparpille. Donc on va se concentrer sur le fait d'enseigner l'arabe littéraire, mais en essayant d'intégrer dans l'enseignement le fait qu'il y a des dialectes qui sont différents. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas facile et que. En fait, moi, je pense. Une solution très simple à cette question. Mais je pensais plus à une langue commune. Enfin, en sortir des différents dialectes au Maghreb, un dialecte commun. Enfin, ça, on peut penser ça pour l'avenir. J'en sais rien. Hein. C'est une question. C'est assez simple de mettre les Algériens, les Tunisiens et les Marocains autour d'une table pour se mettre d'accord. Oui. D'accord. Okay. Et puis, la darija n'est la langue officielle ni du Maroc, ni d'Algérie, ni de la Tunisie. C'est vrai. Moi, je connais bien le Maroc et.
Enfin, j'enseigne au Maroc. Hein. J'ai enseigné la physique et je continue d'enseigner la physique au Maroc. Là, et je vois que les élèves, bon, donc ils apprennent l'arabe classique. Hein, ils apprennent les sciences en arabe classique. Hein, ils ont des cours de français. Eux-mêmes, ils ont des cours d'anglais puisqu'ils sont très ouverts sur l'international. Le berbère est une langue officielle. Et donc, ils doivent naviguer entre toutes ces langues. Le bilinguisme, le multilinguisme est une chance, et le Liban c'est un exemple, hein, mais ça peut être aussi extrêmement perturbant pour les élèves quand ce n'est pas bien fait. Parce que moi je vois l'arrivée des élèves à 18 ans dans le supérieur qui ont du mal dans toutes les langues, sauf en Darija. Donc on voit sur YouTube, il y a des vidéos qui expliquent les cours de physique en Darija. Parce qu'ils les ont eus soit en français et ils ne comprenaient pas, soit en arabe classique et ils ne comprenaient pas non plus. Donc c'est complexe, hein. C'est complexe et effectivement, si un jour il y a le Grand Maghreb, les États-Unis du Maghreb, enfin l'Union du Maghreb, voilà, on pourrait imaginer que le Darija devienne aussi une langue officielle de ce. Mais pour l'instant, c'est pas le cas dans aucun des pays. Et j'ai l'impression que oui. Ce qui est en train de se passer depuis plusieurs années, c'est que ce qui joue un rôle important d'unification de la langue, c'est les télévisions satellitaires. En particulier Al Jazeera, Arabia, etc. Parce qu'en fait, c'est des télés qui sont regardées dans l'ensemble du monde arabe et bien sûr dans les diasporas en Europe. Et donc, on n'en est pas encore là, mais il y a un certain nombre de chercheuses et de chercheurs qui disent bon, ben voilà, en fait, peut-être que ça va amener à une unification d'un certain nombre y compris pour des événements historiques qui se déroulent, qui du coup sont tous qualifiés de la même manière, ont le même nom dans les différents pays, etc. Donc, voilà, peut-être que ça ira un peu par là, on ne sait rien. Oui. C'était le cas en France, hein, où la télévision a contribué à uniformiser les accents. En France, parce que nos grands-parents, enfin, les accents étaient extrêmement typés. Bon, il y a eu l'éducation nationale, les hussards de la République qui ont enseigné le français, qui ont empêché les petits bretons, les petits basques, etc., de parler leur langue. Mais après, la prononciation était assez différente. Et la télévision, depuis les années 60, a uniformisé les prononciations en France. Alors, il y a encore des marques, c'est encore un peu marqué, mais. Al Jazeera ou les chaînes comme ça, l'Arabia, les chaînes ont tendance à uniformiser les pratiques. Bonjour. Je voulais juste dire une chose. Pour moi, il y a une seule langue arabe. C'est la langue littéraire. Après, pour les autres pays, chacun il a le dialecte, l'argot, le derja. Mais à la fin, on arrive à se comprendre. Et là, si on veut, soi-disant, trouver une langue commune entre soi-disant l'Algérie, Maroc et la Tunisie, là, on va perdre la vraie arabe. Donc, je suis en désaccord, on ne peut pas. Et un petit commentaire, moi, je trouve que le dialecte algérien, c'est plus proche en arabe. C'est vrai, on a des mots en français, mais c'est plus compréhensible par rapport à la langue arabe, c'est plus proche, je trouve. Mais de toute façon, il y a une seule langue, c'est l'arabe littéraire. On ne peut pas la changer, c'est tout. Ah, est-ce qu'on ne peut pas la changer? C'est une question. C'est-à-dire qu'en fait, l'arabe littéraire, ce n'est pas une langue... on ne parle pas du latin ou du grec, c'est une langue vivante. Oui. L'arabe littéraire, depuis des années, elle change. Elle change comme toutes les langues, comme le français change, comme l'anglais change. Parce qu'en fait, il se passe plein de choses dans la vie, il y a des événements nouveaux qui arrivent, il y a des vagues d'immigration, y compris dans le monde arabe, qui transforment la langue, qui transforment les usages. Les jeunes générations ne parlent pas comme les générations plus âgées. Et donc, évidemment, bien sûr, ce qui unifie le monde arabe, c'est cet arabe littéraire. Mais je crois qu'il faut faire attention, à mon avis, à ne pas considérer que c'est une langue figée qui ne change pas, parce qu'en fait, même cet arabe littéraire est amené encore à beaucoup bouger. Et puis, il y a une spécificité quand même de l'arabe littéraire, c'est que c'est certes une langue commune, mais c'est en même temps une langue commune que personne ne parle. C'est-à-dire que dans le quotidien, dans le monde arabe, personne ne se parle en arabe littéraire. Tout le monde se parle avec son arabe égyptien, son arabe irakien, son arabe marocain, etc. Et donc ça, ça n'existe pas beaucoup dans d'autres langues. Donc c'est une spécificité, c'est important, ça se garde, ça se chérit, comme toutes les choses qui sont spécifiques à la langue arabe. Mais du coup, je pense qu'il faut aussi considérer que c'est un cadre qui est assez souple, dans lequel il y a des choses qui peuvent rentrer, des choses qui peuvent sortir, différentes manières d'utiliser cet arabe littéraire, différents moments de la vie où on l'utilise. Je vois bien, on l'utilise dans les journaux, à la radio, à la télévision, mais on ne l'utilise pas pour aller acheter le pain ou pour engager ses enfants quand ils sont... Non, je... Voilà. Mais
Voilà, oui, il y a une seule langue, mais cette langue est d'un océan dans lequel il peut se passer beaucoup de choses. Non, je suis d'accord avec toi. Pardon, avec vous. je suis d'accord avec vous. Oui, c'est une langue, hein, on peut changer, on peut avoir plus de vocabulaire. Mais ça sera mieux si on trouve un moyen de que les gens ils utilisent l'arabe littéraire mieux que trouver une nouvelle langue, soi-disant un nouveau dialecte. Ça sera mieux. Ça, c'est le choix qu'a fait l'éducation nationale donc, il y a 20 ans, en disant, en fait, on va, dans l'éducation nationale, enseigner l'arabe littéraire, on va prendre en compte le fait qu'il y a des dialectes, mais puis, là où c'est vrai que vous avez raison, c'est que, y compris, il y a un enjeu à ce que l'arabe ne soit pas enseigné qu'à des gens qui viennent du monde arabe. Plein de gens en France ont le droit, et ça oui. serait même super, d'apprendre l'arabe pour plein d'autres raisons, amicales, amoureuses, religieuses, professionnelles, scolaires, littéraires, etc. Et donc il faut aussi que ce soit ouvert pour les gens qui n'ont pas de dialecte à la maison et ont juste envie d'apprendre l'arabe parce que ça les intéresse, comme ils auraient envie d'apprendre le chinois, le russe, que sais-je encore. Et ça, c'est important que ça puisse être accessible et que pour le coup, le chemin puisse être le même pour tout le monde. Merci. Bonjour. Je trouve que vous montrez bien toute la complexité de la question de l'enseignement de la langue arabe dans le contexte éducation nationale en France. Je me suis posé la question, est-ce que vous auriez dans votre enquête eu connaissance d'autres pays qui s'en sortent mieux avec cette question-là ? Des pays qui, où ce n'est pas la langue arabe qui est la langue dominante dans le pays, mais qui ont un enseignement scolaire de la langue arabe qui a réussi à dépasser certaines des limites que vous avez bien... situé. Alors mais en fait j'ai compris ça plutôt après la publication du livre parce que du coup il y a des gens qui m'ont écrit y compris dans d'autres pays et c'est notamment le cas d'un certain nombre de pays scandinaves en particulier de la Suède mais aussi dans une histoire qui est assez peu comparable parce que c'est une immigration venue du monde arabe qui est beaucoup plus récente avec une très forte proportion de réfugiés et donc du coup en fait à l'arrivée très vite il y a des choses qui se sont mises en place. Nous, on a une histoire qui est particulière parce qu'évidemment, il y a l'histoire, il y a la période coloniale et il y a aussi cette culture d'arabisant qui existe depuis longtemps. Il y a l'immigration des années 70 où là, on a mis en place des enseignements pour les enfants des travailleurs qui venaient travailler chez Renault ou chez Matra et dont on pensait qu'ils allaient repartir. Et donc, on leur apprenait leur langue, on appelait ça ELCO jusqu'à récemment, enseignement de langue et culture d'origine. Et donc on disait, ben voilà, c'est des petits Algériens, des petits Marocains, des Marocaines, ils vont repartir chez eux, donc comme ça, ils parleront l'arabe. C'est pas ce qui s'est passé. Et donc ça, ces dispositifs-là, ça n'existe pas vraiment ailleurs. Mais effectivement, ce que j'avais vu le plus intéressant, c'était cette assez grande souplesse qu'il pouvait y avoir dans certains pays, donc effectivement comme la Suède, où en fait, on ouvrait la possibilité, notamment aux enfants d'immigrés, d'apprendre des langues de manière assez, assez simple, c'est-à-dire c'est des heures qui sont soit sur le temps scolaire, soit ajoutées au temps scolaire, mais en fait, dès qu'ils voyaient qu'il y avait une offre suffisamment importante, pof, ils ouvraient un enseignement. C'est des échelles qui sont plus petites. De ce que j'ai compris, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple en Belgique qu'en France. Voilà, qu'il y a des structures dans le cadre de l'éducation nationale, alors notamment plutôt côté wallon que côté flamand, où là, voilà, il y a un peu plus de moyens qui sont mis. De la manière un peu aux Pays-Bas, mais là aussi c'est des histoires qui sont assez différentes, je pense, et c'est notamment lié à la structure de la communauté marocaine dans ces deux pays qui a beaucoup poussé dans cette direction-là. En France, cette histoire d'ELCO, d'enseignement primaire, a beaucoup structuré la question de l'enseignement de l'arabe parce que les enseignants sont sous contrat avec leur pays d'origine et donc ça a structuré les choses d'une manière un peu bizarre dans le primaire. Évidemment, il n'y a pas de modèle idéal. Et puis, surtout, la France a une histoire particulière avec l'arabe qu'aucun autre pays n'a. C'est-à-dire, on est plus arabe des Européens. Voilà, ça ne plairait pas beaucoup, peut-être, à Éric Zemmour, si on disait comme ça. En fait, c'est assez vrai. Voilà, les Français, c'est les Européens les plus arabes. Alors, on a parlé de l'éducation nationale et de ses défaillances. Est-ce qu'on pourrait dire quelques mots de l'édition en langue arabe en France ? Je crois me rappeler une statistique où on disait que la production en arabe depuis le monde arabe, la production, la quantité d'ouvrages qui sort en arabe chaque année dans le monde arabe équivaut à la production qui sort en Grèce dans la langue grecque.
C'est-à-dire qu'il y a en fait assez peu de production. Alors les Libanais sont les meilleurs pour l'impression, ça c'est connu, donc on ne discute même pas. On constate qu'il est difficile de trouver des ouvrages bien imprimés en France, je veux dire bien imprimés, sans erreurs typographiques, etc., dans des formats reliés, qui permettent de conserver l'ouvrage. Il y a assez peu de relais. Alors, il y a des librairies islamiques qui, comme le nom l'indique, voilà, sont essentiellement fournies en textes religieux et surtout un certain type de textes religieux, malheureusement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, autre point, par exemple, il y a extrêmement peu d'éditions bilingues en France. Je connais quelques ouvrages seulement qui sont édités en édition bilingue, alors qu'on peut très facilement trouver des éditions bilingues dans les langues européennes. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une sorte de responsabilité de l'édition en général ? Alors évidemment, c'est difficile de dire qui plus particulièrement serait responsable de ne pas offrir cette vitrine attractive de cette littérature absolument extraordinaire qui a plus de 1000 ans, pour dire voilà, ben voilà tout ce que vous pourriez connaître si vous connaissiez l'arabe, si vous appreniez l'arabe. Oui, c'est vrai, mais c'est évidemment un enjeu qui dépasse la France, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que l'édition dans le monde arabe en général se porte mal, les réseaux d'édition, de librairies aussi se portent mal, dans un certain nombre de pays, c'est parfois lié à la nature du régime qui n'est pas forcément toujours très favorable au fait d'éditer beaucoup de livres, mais aussi aux conditions économiques. Vous parliez du Liban, oui, le Liban est traditionnellement un des pays où on édite le plus de livres du monde arabe. Les conditions économiques dans lesquelles se trouve le Liban depuis quelques années font qu'en fait le nombre de livres édités en chute libre, leur capacité à s'exporter dans le monde arabe aussi, etc. Et donc ça c'est vrai que l'édition dans le monde arabe est en danger. Si elle est en danger, ça veut dire que les livres en arabe sont en danger. Si les livres en arabe sont en danger, ça met en péril la langue arabe. Et c'est vrai que ce qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a des pays aujourd'hui dans le monde qui sont des centres d'attraction de la langue arabe, on peut penser notamment au Golfe, au Qatar, aux Émirats, etc. Mais ce n'est pas des pays qui sont très tournés vers la production littéraire ou intellectuelle, je dis ça gentiment, c'est assez factuel. Et donc ça ne produit pas ça. Et donc du coup, il y a cette difficulté qui existe et c'est important. Et j'élargirais même au-delà de l'édition, c'est quelque chose qu'on peut voir sur Internet. C'est-à-dire que si on compare les pages Wikipédia en arabe, par exemple, sont inférieures à celles d'un certain nombre de langues. Les applications qui permettent d'apprendre des langues facilement, comme Duolingo par exemple, en arabe sont beaucoup plus faibles que dans d'autres langues. Et donc là aussi, d'une certaine manière, il y aurait besoin quasiment d'une expression commune, d'une forme de société civile qui se saisisse de ces questions-là en disant voilà, on a besoin de livres en arabe, on a besoin d'enseignement de l'arabe. Et c'est aussi comme ça que les choses vont progresser parce que je vois bien, je repense à moi quand j'étais adolescent, pourquoi j'avais tellement envie d'apprendre l'anglais, parce que c'était les films que je regardais, c'était les bouquins que j'avais envie de lire, c'était la musique que j'écoutais. Et donc on retombe sur cette question-là qui a une dimension culturelle très forte, c'est-à-dire comment faire pour rendre la langue arabe intéressante pour celles et ceux qui viennent du monde arabe, mais aussi pour tout le monde. En fait, il faut rendre ça cool. C'est-à-dire, il faut que ça ait l'air intéressant, il faut que ça ait l'air séduisant dans le bon sens du terme, qu'on puisse en percevoir la richesse, la diversité. Et ça, évidemment, ça passe par les livres, ça passe par la culture au sens large. Et donc ça, c'est vrai que c'est pas évident. Je retourne sur l'éducation parce qu'il y a un certain nombre d'enseignants, notamment en primaire, qui arrivent à faire ça. J'en ai rencontré, ou des associations par exemple qui font la promotion du plurilinguisme pour les jeunes enfants et qui organisent de manière très intelligente et en général c'est assez beau à voir des concours de nouvelles plurilingues pour les enfants, donc maternelle, primaire, parfois un peu au collège, et qui incitent les enfants avec leurs parents à écrire des histoires dans leur langue d'origine. Donc du coup dans une même classe on a une histoire qui se retrouve où il y a de l'arabe, du wolof, du tchétchène, etc. Et c'est très valorisant pour les enfants, mais aussi pour les parents. Et ça les fait rentrer dans l'école avec une langue de valeur. Et ça, je trouve que ce type de démarche est intéressant parce que ça donne une place à la langue arabe et ça oblige aussi, j'ai vu des parents par exemple impliqués là-dedans, ça les oblige aussi à aller chercher des histoires, des bouquins, des contes en arabe, à se dire « Ah mais tiens, c'est vrai, j'ai pas de conte en arabe pour mes enfants, où est-ce que je peux en trouver ?» Et donc c'est aussi ce type de démarche-là, je trouve que c'est assez porteur d'espoir parce que ça peut susciter derrière une offre qui se met en place.
Merci. Alors, on arrive à la dernière partie de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quels sont les acteurs qui pourraient arranger un peu les choses, hein? On est tous responsables à l'un ou l'autre niveau. Alors, on a entendu parler des politiques, de l'enseignement, de chacun d'entre nous, des parents, de la transmission. Vous avez sans doute réfléchi à cette question-là au moment d'écrire le livre. Quelles seraient vos suggestions? Alors oui, évidemment, il y a une dimension politique qui est très forte dans cette question, c'est-à-dire il faut un peu de courage politique. Et j'étais encore hier soir avec Jack Lang qui disait, moi je ne comprends pas, moi quand j'étais ministre de l'Éducation, si on décidait de faire un truc, on l'assumait, et puis oui, l'extrême droite n'était pas contente et on le faisait quand même. Alors, j'essaie de lui dire, c'était il y a quand même un certain temps, mais quelque part, il n'a pas tort, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet, aucun politique aujourd'hui n'a envie de s'emparer de cette question-là, qui est pourtant importante pour beaucoup de Françaises et de Français, d'enfants françaises et d'enfants français, de familles qui vivent en France. Et donc ça, je crois que c'est difficile. Pourquoi les politiques s'en emparent pas? Parce qu'il n'y a pas de pression qui s'exerce de la part de la société civile là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est pas facile, parce que honnêtement, si on imagine demain une manif où on est barbu comme moi et avec des femmes qui portent le foulard et qui chantent des slogans en arabe, on n'est pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. Donc même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça peut aussi se retourner contre la promotion de l'enseignement de l'arabe. Donc il y a une voie étroite qui n'est pas facile à suivre là-dessus. Après, je pense que vraiment tout ce qui relève du milieu culturel, c'est important. J'interroge par exemple dans le livre une chanteuse qui s'appelle Camélia Jordana, dont moi je ne savais pas qu'elle était d'origine algérienne, mais qui en fait elle aussi a l'arabe dans sa famille, et qui sur son deuxième album s'est dit, j'ai envie de chanter en arabe. Et en chantant en arabe, elle s'est ouverte aussi à un autre public. Elle s'est rendue compte qu'un certain nombre de radios ne voulaient pas diffuser ses chansons en arabe. Par contre, lui disant, oulala, non mais attends, on ne va pas diffuser des trucs en arabe quand même. Donc là, il y a aussi des portes qui peuvent s'ouvrir, parce que si des artistes, des réalisatrices, des réalisateurs, des écrivains, tous ces gens qui sont aussi des enfants d'immigrés qui ont l'arabe dans leur culture, l'assument un peu plus, et puissent dire, en fait, on a envie que l'arabe existe dans la société française et que ce soit une de nos langues partagées, en fait, ça peut vraiment aider à faire bouger des choses. Et donc ça, je trouve que c'est des pistes qui sont intéressantes. Ce dont je viens de parler aussi, ce qui se passe au niveau de ces associations qui font la promotion du plurilinguisme, je trouve que c'est vraiment des choses qui sont intéressantes, parce que de ce que moi j'ai vu, les enseignants du primaire, du premier degré, il y en a beaucoup qui sont très ouverts à ces questions-là, qui voient leur classe, qui voient que dans leur classe, en fait, il y a différentes langues qui sont là, qui sont en partage, et qu'en fait, c'est un point d'appui pédagogique qui est intéressant. Et donc ça, c'est aussi un des moyens qui est assez simple, c'est-à-dire pousser aussi les enseignants qui le souhaitent à pouvoir utiliser les langues qui sont dans la classe. En fait, ça donne aussi derrière pour les enfants, ça met une graine qui peut pousser plus tard. Et ça, c'est aussi des choses qui peuvent être utiles. Et puis évidemment, moi je suis journaliste, il y a une grande responsabilité des médias là-dedans, et quasiment une responsabilité de formation, c'est-à-dire que les amalgames qui existent dans la société, ils existent aussi dans un certain nombre de médias. Bah, là aussi, il faut pouvoir les dénoncer sans relâche et dire, attention, non, il ne faut pas tout mélanger. La langue arabe est parlée par des gens qui ne sont pas musulmans, et de très nombreux musulmans ne parlent pas l'arabe. Donc en fait, il ne faut pas non plus tout mélanger. Et puis, ce n'est pas parce qu'on parle l'arabe qu'en fait, on devient extrémiste. Ce n'est pas parce qu'on apprend l'arabe dans une mosquée qu'on va être radicalisé, comme ils disent. Et donc, toutes ces confusions-là qui existent, en fait, les médias ont une grande responsabilité. Évidemment, ils ne sont pas tous pareils, mais en tout cas, il y en a un certain nombre qui entretiennent la confusion là-dessus. Et ça aussi, c'est vraiment un point qui peut être un point d'inflexion important. Oui, merci Nabil Wakim. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions pour conclure? Oui, allez. Toujours Madame Troisième, une dernière question. D'accord. Vous parliez du fait que les maisons d'édition ne veulent pas, ne soutiennent pas tellement ces projets-là. Est-ce qu'on ne peut pas penser à l'avenir, justement, créer des maisons d'édition qui seraient spécialisées là-dedans? Absolument, et je pense que là aussi, encore une des pistes possibles, c'est les livres jeunesse et les livres bilingues, parce qu'en fait, ça c'est un truc qui marche plutôt. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont dans ces situations-là, de se dire, en fait, je ne sais pas quoi faire avec mes enfants, comment je peux faire, quel type de support je peux avoir. Mm-hmm. Donc ça peut être effectivement intéressant. Et puis, je pense aussi que il y a l'édition, mais il y a aussi tous les autres outils dont on dispose pour communiquer, pour parler. YouTube, c'est un outil. Wikipédia, oui, c'est un outil. Les vidéos en ligne, ça peut être des très bons supports quand ils sont bien utilisés. Et là, c'est vrai qu'il y a évidemment tout un champ à
à ouvrir, à faire vivre, à cultiver. Il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Il y avait un magnifique film il y a quelques années de Michel Oslo, Azur et Asmar, un film bilingue. Et je pense que ce genre de film, ça fait beaucoup de bien hein, pour tout le monde, pour les enfants, de voir. Alors déjà, le thème du film était magnifique et le fait qu'on entende parler le français et l'arabe dans un même film, c'était vraiment un grand succès. Voilà, bon, je pense qu'on va clore cette rencontre tout à fait chaleureuse. Alors, il n'a fait pas très chaud dans l'amphithéâtre, mais la chaleur était dans les cœurs autour de cette belle langue de culture qu'est l'arabe. Donc on vous remercie toutes et tous pour votre présence. On remercie vraiment du fond du cœur Nabil Wakim d'être venu retrouver ses lieux d'enfance à Lyon. Et on espère l'avoir à nouveau chez nous hein, pour d'autres thématiques. On va arrêter le cycle de conférences pendant les vacances scolaires, là pendant 2 semaines, et on se retrouvera début janvier, Inch'Allah, pour une nouvelle programmation. Donc restez connectés, regardez sur le site internet de l'Institut la programmation. Il y aura de belles choses qui viendront dans les semaines et les mois qui viennent. Donc à bientôt. Ila liqa'in qariban, Inch'Allah. Assalamu alaikum. À bientôt. Merci beaucoup.